Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, dans un premier temps, je voulais d'abord m'excuser pour le temps que j'ai mis. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très en forme. Mais comme les messages pour les informations en ce qui concerne les bourses et tout ça ne fait que remplir mes appareils. Donc je vais essayer comme ça de faire l'effort de vous envoyer ces images-là et puis ces informations pour que vous puissiez au moins les, les postuler. Excusez-moi. Donc, comme je disais, ici vous voyez à l'instant, ça c'est une bourse de la Turquie qui vient d'être lancée. C'est une bourse qui concerne la licence, le master. Voilà, donc ceux qui veulent postuler, ça sera vraiment une bonne opportunité pour vous. Donc, c'est la bourse de l'université de Izmir. Comme je vous l'ai dit, c'est en Turquie. Vous voyez là, c'est en Turquie. Donc, pour pouvoir postuler, c'est très simple pour cette bourse-là. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des parades parce que je vais comme ça essayer de vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait pour ça, pour postuler et tout ça. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, voilà, vous pouvez postuler. Et en même temps, je vous dis qu'il y a, on a un groupe WhatsApp pour pouvoir adhérer. Il y a des conditions. Et puis, je voulais rappeler aussi que c'est en fait, le groupe WhatsApp, c'est un groupe de soutien pour tous ceux qui reconnaissent le travail que je fais ici. Voilà, donc, et qui veulent vraiment m'aider. Donc, si vous ne respectez pas ces conditions-là, donc, c'est pas la peine de vous fatiguer. Voilà, donc, ici, pour pouvoir appliquer à cette bourse-là, c'est très simple. Donc, je vais mettre le lien en commentaire ou bien en description. Comme ça, vous allez pouvoir vous référer et puis aller postuler. Donc, vous cliquez juste là, appliquer maintenant pour 2022-2023. Donc, quand vous cliquez là, vous allez voir les éléments en termes de conditions et puis les paramètres. Si vous êtes en licence ou bien en master ou bien pour le doctorat, vous allez pouvoir utiliser ces boutons-là pour pouvoir postuler à la bourse que vous voulez, c'est-à-dire par rapport à votre niveau d'études. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, les cours peuvent être en anglais pour ceux qui sont dans un haut niveau, c'est-à-dire le master et le doctorat. Maintenant, les études peuvent être en langue turque pour ceux qui sont en premier cycle, qui vont faire d'abord une année de langue turque avant de pouvoir commencer et étudier. Et la bourse prend en charge tous ces éléments-là, c'est-à-dire les paramètres de l'année de langue. Donc, comme vous voyez là, les étudiants internationaux peuvent facilement postuler en ligne sur les liens suivants sans envoyer de copie de papier des documents de candidature. Donc, ici, regardez très bien ce qui est écrit là. Après réception de la candidature en ligne, les documents seront évalués par les départements concernés et le candidat sera informé du résultat en conséquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de dissociation entre, ici, il n'y a pas de dissociation entre admission et bourse. Ici, si vous postulez à l'admission, vous pouvez avoir vos documents seront étudiés directement pour la bourse. Voilà, si vous avez un bon dossier pour la bourse, vous allez recevoir la bourse automatiquement, comme la bourse de la Russie, la bourse de la Roumanie. Vous voyez que on fait en même temps, vous postulez une fois, il vérifie en même temps pour l'admission et pour la bourse. Voilà, donc celui qui aura la bourse, c'est-à-dire a déjà eu l'admission, mais celui qui va avoir une admission n'est pas obligé, obligement, n'est pas, excusez-moi, n'est pas obligatoirement éligible pour la bourse, vous comprenez? Voilà. Donc, quelles sont les conditions pour pouvoir postuler à cette bourse-là? Ici, conditions de candidature pour les étudiants internationaux, diplôme associé ou bien pour premier cycle. Donc, ceux qui veulent faire premier cycle, moi, je vais postuler en tant qu'étudiant étudiant du premier cycle. Donc, ceux qui veulent postuler pour le master ou le doctorat, vous pouvez voir là. Maintenant, ceux qui veulent comme ça postuler dans une faculté de médecine, aussi c'est possible, vous pouvez cliquer là pour voir les conditions. Donc, moi, je viens là, on ne peut pas faire pour tout le monde en même temps. Donc, peut-être après, je vais faire une vidéo pour la médecine, mais pour le moment, je vais postuler pour ce qui est populaire. Donc, c'est le premier cycle. Ici, je clique là pour voir les conditions pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc, pour cette bourse-là, qui peut postuler dans les ressortissants étrangers, ok, ceux qui sont des citoyens turcs de naissance et ont reçu l'autorisation de renoncer à la nationalité du ministère de l'Intérieur, et ceux qui peuvent prouver qu'il possède le document relatif à l'utilisation des droits accordés sur la base de la loi de la citoyenneté turque pour les enfants. Bon, ok. Donc, après ici, les ressortissants étrangers devenus citoyens turcs par la suite. Ok, ça c'est ceux qui peuvent postuler. Les ressortissants turcs qui ont achevé le droit
les 3 dernières années de leur études secondaires lycée dans un pays étranger. Ok. Et ici, on a un ressortissant turc qui a achevé l'intégralité de ses études secondaires dans un pays étranger. Et ici, on a les ressortissants de la République turque de Chypre du Nord. Ok. Ok, donc, pour pouvoir postuler, vous savez déjà, ceux qui ne peuvent pas postuler aussi, vous pouvez lire un peu là pour ceux qui ne peuvent pas postuler. Ok, et ici, je viens là, ici, ce qui est là, ça c'est en fonction des pays exceptionnels, c'est-à-dire, c'est pas exception, vous voyez un peu, c'est-à-dire, ici comme ça, pour les pays ou régions à l'international, test d'évaluation scolaire SAT, un score total de l'État, ça c'est pas un souci, évaluation internationale, examen du certificat général niveau A, ça aussi c'est pas un problème, parce que la plupart des étudiants qui veulent postuler pour une licence ont déjà plusieurs éléments, ont déjà ces éléments-là, vous comprenez? Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ça c'est de l'exception. Vous voyez un peu ici, Kazakhstan, ceux qui sont du Kazakhstan, test université nationale du Kazakhstan, score de combien de 84 sur 140 et tout ça. Donc, c'est un peu comme je vous l'ai dit. Ici, par exemple, pays africains, les pays africains comme Sénégal, Cameroun, Niger et tout ça, tout. C'est le diplôme du baccalauréat, comme je vous l'ai dit déjà. Ça, tout le monde a déjà ça. Et un score minimum de 10 sur 20, c'est-à-dire que vous avez eu votre bac. Vous comprenez? Voilà, parce que 10 sur 20, c'est-à-dire que vous avez eu votre bac. Donc, en grosso modo, tout le monde peut postuler à cette bourse-là sans souci. Ok, donc maintenant, quels sont les documents requis pour postuler à cette bourse-là? Les documents requis pour la candidature doivent être traduits s'ils sont rédigés dans une langue autre que le turc ou l'anglais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir postuler à cette bourse-là, il faudrait que vos documents soient en anglais ou bien en turc. Vous voyez, anglais ou turc. Voilà, donc si vous avez un document en français, vous devez les traduire en turc ou bien en anglais. Pour faire la traduction, c'est très simple. Vous allez au ministère des Affaires étrangères de votre pays, vous allez voir qu'ils vont vous diriger à un endroit ou bien parfois c'est eux-mêmes qui peuvent gérer cela en ce qui concerne la traduction. Ou bien vous allez dans une ambassade quelque part là-bas, vous allez voir qu'il y a toujours des personnes qui sont à l'intérieur de ces ambassades-là pour pouvoir traduire vos documents pour vous. Ok, donc ici le résultat de l'examen national, c'est-à-dire pour votre diplôme de baccalauréat. Voilà le relevé du diplôme de baccalauréat. Après, ici c'est le diplôme même de baccalauréat. Après, là, ça c'est le relevé de notes du secondaire, liste des notes. Donc, quand on dit relevé de notes du secondaire, vous devez comprendre que vous pouvez comme ça envoyer la licence. Comment je vais dire, envoyer le diplôme de, c'est-à-dire les relevés de seconde, de première et de terminale. Donc ceux qui vont pouvoir avoir tous ces éléments-là, ça sera vraiment une grande opportunité pour vous. Maintenant, ceux qui vont pouvoir récupérer seulement que les éléments de terminale, les relevés de terminale ou bien les relevés de la première aussi pour pouvoir compléter, ça sera aussi une bonne opportunité pour vous. Et après cela, il y a aussi la copie du passeport. Donc, la copie du passeport, et après cela, maintenant, il y a le certificat de compétence en anglais. Ça, c'est pas vraiment obligatoire. Vous comprenez? Comme ils ont mis là, le cas échéant. C'est-à-dire, il y a des facultés que vous allez choisir comme ça qui vont vraiment vous exiger d'avoir un certificat en anglais. Mais sinon, c'est pas vraiment obligatoire parce qu'il y a des facultés qui seront enseignées en turc pour les premiers cycles. Vous comprenez? Voilà, donc ici, frais d'inscription. Les frais d'inscription pour postuler au programme de premier cycle, les étudiants doivent payer les frais de candidature de combien? De 25 dollars. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas voir cela, malheureusement, il y a ça. Il y a 25 dollars. Et ici, le processus de candidature en ligne n'est terminé que si les frais de candidature sont payés par carte de crédit à la fin de la candidature en ligne. Voilà, donc j'espère que vous lisez très bien et puis vous comprenez très bien ce qui se passe pour pouvoir les solder. Les candidatures sans paiement de frais de candidature ne peuvent pas être évaluées. Ça, c'est clair et net. J'espère que vous comprenez très bien. Alors, ne me posez pas des questions. En ce qui concerne les frais et tout ça. Voilà, donc, pour ceux qui veulent postuler, vous savez déjà comment ça se passe et puis vous avez aussi les conditions et tout ça pour pouvoir le faire. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher maintenant à
à postuler pour cette bourse-là, la candidature, et l'admission et la bourse. Voilà, donc on se retourne là. Et pour ceux qui veulent faire le cycle supérieur, vous pouvez cliquer là aussi. Vous allez voir aussi vos conditions. Vous pouvez cliquer là. Donc quand je clique là, vous voyez, ce sont les conditions pour ceux qui veulent faire, par exemple, comme ça, le master et le doctorat. Vous voyez, avec pour vous, c'est un peu différent. Pour le master, il y a diplôme de premier cycle. Vous devez avoir le diplôme de premier cycle, les traductions du premier cycle, de lettres de recommandation, certificat de compétences en anglais, copie du passeport. Doctorat aussi, voici pour vous qui se trouve ici. Voilà, donc, et pour tout le monde, c'est $25. Rien n'a changé. Donc, pour pouvoir postuler, étant donné que je postule par exemple comme ça pour des étudiants, un étudiant qui part pour, par exemple comme ça, la licence, je dois cliquer là. Mais je viens de voir ici le calendrier de candidature. On va cliquer là pour voir un peu quelles sont les dates pour ne pas vraiment aller vraiment en besogne. Ici, date limite de candidature pour le programme de diplôme d'associé licence, c'est le 2 septembre. Donc vous voyez que vous avez assez de temps. Donc vous pouvez remplir vos données. Si vous n'avez pas encore, soldé, vous pouvez fermer votre paramètre. Vous pouvez fermer votre compte et puis aller chercher votre somme de $25 pour pouvoir solder. Vous avez assez de temps. Mais ce que moi je vous dis, je vous considère, je vous dis vraiment et je vous conseille de vite postuler, parce que ceux qui vont vite postuler pour cette bourse là, ceux qui vont vite postuler auront vraiment assez de chance. Donc ici, la date limite c'est le 2 septembre et la date limite pour le cycle supérieur c'est quoi? C'est le 15 août 2022. Voilà, donc ça sera à vous de voir comment est-ce que vous voulez voir, comment est-ce que vous voulez aussi le faire. Maintenant, ici inscription définitive pour les étudiants associés licence. Et ici, inscription définitive pour les étudiants diplômés, examen de compétences en anglais, examen d'évaluation du niveau d'anglais à déterminer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous n'avez pas de. Si vous ne voulez pas étudier en turc et que vous voulez étudier en anglais, vous comprenez, vous pouvez passer un test en anglais directement sur la plateforme. Ils vont vous indiquer comment est-ce que vous devez faire et tout ça. Donc, vous pouvez passer un test en anglais là directement et puis par rapport à votre note ils vont vous dire si vous êtes apte à pouvoir postuler ou étudier en anglais ou pas. Voilà, donc ça remonte à eux-mêmes leur niveau, donc c'est pas un souci. Ok, donc je me retourne juste là et puis je viens là postuler pour le programme de premier cycle ici. Donc je clique là et puis voici les paramètres qui sont là. Donc je dois remplir d'abord les renseignements personnels, appliquer documents, je mets les documents, la revue et puis voilà, je fais le paiement et c'est tout. Donc voici un peu les éléments qui sont là. Donc au fur et à mesure que vous remplissez, vous cliquez sur suivant pour pouvoir voir un peu les paramètres qui sont là, là, là et là. Voilà, donc ça sera vraiment à vous de voir. Donc il est noté que bienvenue sur la page de candidature en ligne pour les étudiants internationaux. Vous pouvez vous postuler maintenant pour des programmes de premier cycle de l'économie d'ISMI pour l'année mentionné 2022-2023. Veuillez remplir le formulaire de demande étape par étape avec toutes les informations pertinentes requises. Une fois votre candidature en ligne complétée, vos documents téléchargés seront évalués par le processus concerné et vous serez informé du résultat de votre candidature par email. Les frais de candidature pour les étudiants internationaux sont de $25 et doivent être payés à la fin de la candidature en ligne, soit par carte de crédit, soit par virement bancaire. Veuillez noter que les candidatures sans paiement ne seront pas prises en compte pour l'évaluation. Donc, j'espère que vous comprenez bien. Donc, je vais essayer comme ça de remplir les éléments qui sont là pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler et puis quels sont les éléments qu'il ne faut pas rater et tout ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Maintenant, ceux qui veulent continuer peuvent continuer. Ce n'est pas un problème, c'est pas du tout compliqué. Voilà, peut-être que ça serait un peu devant, mais c'est pas du tout compliqué. Si vous voulez continuer à postuler, vous remplissez et vous cliquez sur suivant et voilà, vous allez pouvoir le faire. Voilà, donc les gars, c'était moi de Samuel Spita et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Tous ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp ou bien tous ceux qui veulent demander les services pour qu'on puisse postuler à cette bourse-là pour eux, nous sommes ouverts 24h sur 24. Vous pouvez m'écrire inbox au numéro qui se trouve dans la description ou bien en commentaire. Voilà, donc les gars,
À plus, et puis je reviens tout à l'heure pour une seconde vidéo sur le remplissage et tout ça. Ok, à plus les gars.